Flèche de feu. On va leur fabriquer des flèches de feu là. Pourquoi il a arrêté de pépère? Est-ce que je vais en avoir besoin? Ça arrive la grosse vague. On lui laisse dans le coin, pas très loin, parce que... Voilà, lui, les flèches de feu... Qu'est-ce qu'il faudra à lui pour l'améliorer? Attends, on va mettre ça aux mecs qui n'ont pas beaucoup de protection. Et les bottes de fer. Un casque. Voilà. Voilà. Commence à devenir des petites machines de guerre. Bon, lui, il construit toujours les pioches, les haches. Il fait du squelette. Il m'a su. Des lances de gobelins. Tiens, bon, lui. Ça fait 20. Ça fait 20 aussi. Bon, on va lui mettre, tiens. Change un peu, hop. J'ai un paquet de ragoûts de poisson. On va remplir les tables. Nous, on pourra s'arrêter le live tranquille après ce moment. Dans 2 minutes. On va en envoyer un copain là. Ils sont tous dans le coin, c'est bon. Lui il est en train de se préparer les flèches de feu. Dans 2 minutes, ça va être baston, baston. Moi je te dis pas aussi bien Golgotha. Marché, forgeron. Mineur grimpeur. Un bûcheron. Bah, faut une hache. Zoomer un peu sur le truc. Quand pas mal à creuser par là.
Ah, ouais. Ah, les armes. Ah, ouais, putain, mais. Elles arrivent un peu tard, les armes, hein. Bien merdant. Voilà. Bon, de toute façon, on va commencer à fabriquer ça pour le prochain live. Ah, allez, gros plan. Maintenant, on va attendre dans 45 secondes où vont arriver les gros méchants. On laisse ma troupe en place. Ils attaquent tous en même temps. De la hauteur pour faire ma tour, ouais. Mettre toute la production là et puis on continue de dormir en dessous. Allez, ça approche, ça approche. Ils arrivent par où? Il faudra que j'aille voir sur YouTube si personne n'a répondu aux commentaires. Ah, il arrive par là. Oh là, il y a un boss en plus. Je vais éviter de trop parler parce que je sais pas comment elle est en du jeu. Putain, il y a trop de people là. Voilà, on a passé la vague. Eh, j'ai gagné un peu de pognon. Ils sont contents. Bon, on va leur faire faire un petit rangement. Ah, il faut que je commence à rester de retrouver d'autres streamers aussi. Tiens, Rasta, tant que j'y pense. Les contacts ou des personnes que je peux voir qui font des lives, pourquoi pas. Alors si je trouve des personnes sérieuses. Est-ce que toi, t'es eux, tu fais des lives aussi, mais c'est Razel qui est un peu calme aussi. Alors, je me relance un peu pour savoir si on prévoit de nous faire des petits lives. Putain, ils ont un record qui arrive là. On va y enlever les flèches de feu. Voilà. Va dormir toi aussi. Vous reposez un peu, c'est pas le tout. Mais... Voilà.
Le pauvre machin, il a pas fait long feu. Là, ça avance tranquillement. Voilà. Il va où, lui, là-haut? Moi, je pige pas ce qu'il va faire avec le truc. Il est monté là. Il est monté là-haut, hop, il redescend. Il est trop fort, Céline. Ben, je voudrais bien qu'il me ramène mon pont, là. Ah non, et j'en ai pas assez. Voilà. Voilà. On s'arrêtera pas à la construction de ce pont. Et voilà le dernier, voilà. Ah, dégâts 25, oui. Voilà. Ah bah avant de vous quitter, je vais vous montrer un peu un petit aperçu de la big boss que j'ai dans l'autre partie. Voilà, bon bah ça, hop. On retourne au menu principal, voilà. Oui. On va choisir une partie, vous voyez que j'ai pas souvent plus avancé, déjà le temps. Voilà, j'ai... On va dire j'ai bien décoré toute la maison. L'intérieur, ma base, il y a un peu de tout. Il y a de la pierre. Le super four. Il y a deux totems. Confort excellent à 70% quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? Bah, j'ai des pièges un peu partout aussi. J'ai installé là. Des protections pour ralentir les ennemis, ma petite ferme. Hop, on récupère la laine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est ce tir qui tire. Je sais pas si j'en avais un autre de l'autre côté. Et puis là, arrêtez pas de se faire dégommer. Sinon, j'ai pas mal creusé aussi. Oh, énormément pas tant que ça, je crois. Voilà. Bon, il y a peut-être des endroits que j'ai pas non plus. Éclairé, mais...